le loup, c'est une histoire qu'il faut suivre non seulement avec les yeux, mais aussi avec les oreilles. Cette histoire extraordinaire va vous être racontée en musique avec les instruments de l'orchestre. En effet, chaque personnage de l'histoire est caractérisé par un instrument bien particulier et par une petite phrase musicale facile à retenir. L'oiseau, c'est l'ami de Pierre, notre héros, est symbolisé par la flûte traversière, parce qu'elle gazouille comme lui. Le canard, toujours un peu mélancolique, est représenté par le hautbois, un instrument qui lui va comme un gant. Pour le chat aux pattes de velours, quel instrument pouvait mieux convenir que la clarinette ? Le grand-père, qui bougonne dans sa barbe, est représenté par le basso, évidemment. À la fin de l'histoire, vous découvrirez aussi les chasseurs, dont les coups de fusil ressemblent étrangement au vacarme que sont capables de faire tambours et timbales. Et puis, il y a Pierre, bien sûr. Il suffit d'écouter cette mélodie pour comprendre à quel point notre héros est courageux. Enfin, pour le loup, trois saxophones sévères et sombres retentiront lorsqu'il sortira de la forêt. Lorsque vous entendrez ces trois saxophones, prenez garde! Souvenez-vous bien de tous ces personnages et des instruments qui les incarnent, parce que nous allons vous raconter leur histoire. Un beau matin, Pierre ouvrit la barrière du jardin et sortit dans les grands prés verts. Thank you.
sur une des branches d'un arbre était assis un petit oiseau, l'ami de Pierre. Le petit oiseau pépia gaiement. Laissons Pierre et l'oiseau tous à leur jeu et retournons vers la porte du jardin. Pierre a oublié de la fermer derrière lui tout à l'heure. Profitant de cette aubaine, notre canard bien dodu est venu faire un plongeon dans la mare au milieu du pré. Ayant aperçu le canard, l'oiseau vint se poser dans l'herbe, là, tout près de lui. Soudain, quelque chose attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait. «
absorber votre cœur. Elle avec ce canard, je vais en faire mon déjeuner. Et comme un voleur, il se glissa vers lui à pattes de velours. Et l'oiseau s'envola très vite dans l'arbre, tandis qu'au beau milieu de la mare, le canard cancanait furieusement sa colère contre le chat. Chance, le chat rôdait autour de l'arbre, très indécis. C'est alors que le grand-père apparut. Tu vas rentrer tout de suite et sans discuter.
peine Pierre était-il rentré à la maison qu'un grand loup gris sortit du bois. Le canard, lui, était tellement effrayé qu'il voulut prendre la fuite. Malgré ses efforts, le loup courait bien plus vite que lui. Et même de plus en plus vite. Et voilà, il s'approchait de plus en plus près. Il le saisit et avala d'un coup le pauvre canard.
était sur une branche. L'oiseau, lui, était sur une autre. Mais à bonne distance du chat. Rassasié, et fixait tout ce petit monde avec un regard gourmand. Sautait comme un diable afin de le croquer. Ah, que l'oiseau agaçait le loup et que le loup avait envie de l'attraper. L'oiseau était bien plus adroit que lui. Pendant ce temps, Pierre avait fait un nœud coulant à sa corde. Il fit signe à l'oiseau de continuer son petit jeu autour du loup,
tandis que lui commençait à faire descendre tout doucement la corde le long du tronc. La corde arrivée en bas, Pierre entoura le corps du loup avec le nœud coulant et tira de toutes ses forces. Se sentant pris au piège, le loup se mit à faire des bonds terribles afin de se libérer.
Qu'est-ce qui est arrivé, hein? Oh.
Merci gaiement. Dans le ventre du loup, car dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant. Thank you.